veuillez pardonner ma brusquerie, mais les dernières nouvelles venues des Lime sont tout bonnement inacceptables. Je vous prierai de bien vouloir remédier à la situation sur le champ. Je vous en conjure, retournez à Helheim sans délai et réparez les dégâts que vous y avez causés. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 42 de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok. Un petit truc à boire et à manger. Plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs. Et c'est parti, on était en plein dans le cœur de l'action. Let's go. Me gronder? Non. Je suis soulagé de te voir sain et sauf. D'accord. Wow. Je devrais m'en fier plus souvent. Atreus. Je plaisante. Pardon. Alors, d'où vient ta nouvelle lance? Brock l'a fabriquée, à partir de Dropnir. Et ça, c'est quoi? C'est un anneau. Mais quelle est son histoire? Je l'ignore. Tu n'étais pas là pour poser la question. Aïe, 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 let's go! Bon, on va avoir un bol, je suppose, c'est garde. Il va falloir... Déjà! Atreus! Alors, je pense s'en occuper. Il doit juste avoir peur. Il a été enchaîné pendant très longtemps. Ne lui fais pas de mal, d'accord? Une créature effrayée peut être très dangereuse. Je sais. Il est beaucoup trop fort! On doit traverser avant qu'il ouvre d'autres brèches au royaume. Eh ben dis donc! On peut voir ces corbeaux à Niflheim. Alors! Ok. Non? Attends, quoi? Ta nouvelle lance pourrait faire tomber ces forces mur. Ah, d'accord, je pensais qu'il fallait juste le planter dans le mur. Mais vous savez, j'ai appris, comme disait Morpheus, il y a une différence entre semer le chemin et arpenter le chemin. T'as dit de libérer cette créature. Je suis pas sûr par contre que ce soit exactement ça. Mais non, on verra. Pourquoi? Tu vas allier à lui. Ce n'est pas ce que tu crois. Quoi qu'il t'ait promis, ne lui fais pas confiance. Je sais, mais il a quelque chose que je veux. C'est... C'est dur à expliquer. Ok, ouais, mais il faut que tu l'expliques en fait, Bibiche. Sinon, on peut pas avancer dans de très très bonnes conditions. Ok. Oh. Toi, tu vas prendre littéralement ta part. Allez, à embrocher, balayette. Mort. Et ben voilà. Plus de peur que de mal, même si on n'a pas eu peur du tout. Let's go. Ah, il faut qu'on monte. Et la glace nous barre la route. Je m'en occupe. Bah non, c'est... Ça ne marche toujours pas. Je le vois. Depuis un autre angle, peut-être. Un point manqué. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Depuis un autre angle? Écoutez, je veux bien prendre un autre angle, enfin, je vois pas ce que ça peut arranger. Le souffle de tes ailes. Ok, ah. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Allez. Wow, wow, wow! C'est parti! Allez, embrocher, hop, on monte sa jauge. De rage, évidemment. Embrocher, on monte sa jauge. De rage, évidemment. Et ben voilà. La petite racaille comme ça, mort-vivant, ça me fait pas peur. Moi, je sais pas pour vous, mais enfin, je ne crains point cela. Évidemment, il faut me faire. Ce que tu as fait pour Odin, tu dis que c'est dur à expliquer. Pourquoi? Il faut que tu me fasses confiance. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... Tu veux bien essayer? Que veux-tu obtenir de lui? Pourquoi ne peux-tu pas me le dire? C'est compliqué. Et toi alors? Pourquoi as-tu une nouvelle arme? Je croyais que tu ne voulais pas la guerre. Je n'en veux pas, mais... C'est compliqué. Au pire, Kratos, tu dis tout, à condition qu'il dise tout, et on n'en parle plus, les gars. Je vois pas pourquoi... Pourquoi vous vous embrouillez comme ça? Ça n'a pas de sens. Ok, let's go. Bon, j'ai peur de ce boss. Tout le monde cache des choses. Parfois, c'est la seule façon de protéger ceux qu'on aime. Et ne t'en fais pas pour Odin. Je ne retournerai pas là-bas. Je suis content de l'entendre. Ok.
fait peur. Ah! Une brèche de royaume. L'œuvre de Garm. Je crois que j'ai compris comment Freya les ferme. Tu peux éloigner les ennemis? Bien sûr. Dis-moi quand tu es prêt. Ok. Laisse ça. Il va. Ok, très bien. Allez, vas-y, fils. Ok. Ok. Dépêche-toi, fils. Hop, ça, c'est fait. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Bon. Ok. Là, je dois me concentrer. Je suis désolé, mais là, c'est terrible. On entend tellement les combats. Oh la vache, bien wesh. J'ai pas vu arriver, mon salopio. Oh la vache. Ok. 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 Oh la la, tout est plus lent. Oh la. Allez, mort dans le film. Bébé. Okay. Va falloir ouvrir l'œil. Vache, merci d'être revenu avec moi. T'étais pas obligé. Je suis ton père. Je t'aiderai toujours, tant que j'en serai capable. Ah putain, de brèche sourcils, ça fait beaucoup là quand même. Très bien. Poignée, ok. 18, 14, 14. Et là, 15, déjà 17. Par contre, ça m'aide pour la défense. C'est dur. Ok. Bon, écoute, plaisir de l'entendre. Réponds. Que faisais-tu à Asgard? Je traduisais des choses pour Odin. Il a trouvé un masque et une brèche magique qui y est liée. Et c'est un peu... compliqué. Oui. Mais j'ai rencontré des gens de mon âge. Des amis. Du moins, je crois qu'on est amis. Méfie-toi des personnes fidèles à Odin. C'est pas toujours mal de faire confiance. Cela obscurcit ton jugement. Peut-être. Mais j'en ai marre de me sentir seul. Atreus. Si on trouvait comment marche cette porte. Aucun. Alors attendez. Ok. Ça c'est très embêtant. Je suppose que c'est une énigme de type basique. Mais la question c'est... à mon avis, cette roulotte doit être à gauche, non? Attendez. Aoka! Si je fais ça... le rouage se bloque quand la porte est levée. Alors attends, bordel, c'est terrible. Comment on peut faire ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Ça me stressait. Le rouage se bloque quand la porte est bloquée. As-tu une idée ? On pourrait utiliser mes nouvelles forges. Elles enchaînent les éléments. Attends. Aucun.
Je crois qu'il va nous falloir plusieurs sauts. Ok. D'accord. On notre arrive à gauche. Ok. Brise sa garde. Allez, mort. Ok. Bon. Fireball dans sa gueule direct à bout de temps, j'en ai plus rien à faire. Ça semblait logique en plus, c'est ce que j'avais commencé de faire, mais j'y croyais moyennement pour être très honnête avec vous. En fait, c'était bien ça. Donc, des fois, on se complique un petit peu la vie pour pas grand chose. Allez, on continue. Ça sent pas bon, il y a encore une brèche. Voilà. Ça, c'est des îles royaumes. Ah, ok. Dégage. Derrière toi. Ok. Ok. Mort. Allez, il faut qu'on l'arrête. Flèche pour l'instant, c'est assez horrible. Pourquoi il a mis une flèche là-haut après ? Comment il a pu faire ? C'est totalement incroyable. Il y a quelque chose à droite. Il y a quelque chose ici. D'accord. J'ai compris. N'en dites pas plus. Ok, et vous êtes en feu. Évidemment, c'est la mort qui vous attend. Alors. Bon. Comment est-ce qu'on fait ça? Superbe. Allez! Derrière toi! Wouh! Ok! Ça dégage. Alors, presque tout le début du jeu, je préférais largement la hache. Puis après, c'est devenu les lames du chaos. Et maintenant, c'est encore les lames du chaos, j'avoue. C'est pour le côté spectaculaire. Ok, let's go. Let's go, let's go, let's go. Bon, jusqu'ici. Série. Ok, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça peut être intéressant ça. Boum, 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 boum. Ouais, ça c'est du fouet ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est incroyable aussi. Ah ouais. Ok. Ok, ok, ça peut être intéressant. Où est l'autre brèche, là? Pourquoi il n'y a pas d'autre brèche? Il n'y en a peut-être qu'une par l'hiver. Passer par la caméra. Je ne veux pas que tu te sentes seul. Mais ta décision d'aller à Asgard... aide-moi à comprendre. Odin ne souhaite pas le Ragnarok. Je sais qu'il n'est pas digne de confiance, mais... j'avais besoin de lui. Je veux pas non plus que le Ragnarok. Je t'aurais aidé. Ok. Bon, les gars. C'est, mais... ça sent pas bon. Hé, il est ici. D'accord. D'accord. Tout va bien, mon grand. Tout va bien. Du calme. Calme. Attends, vous voulez juste... what? Oh, God!
gueule! Tête! Hop! Allez, ça dégage. Et ben voilà! Fireball! Oh là là, et toi? Ben voilà, les gars! C'est comme ça qu'on règle les histoires ici! Et vous, vous en pensez quoi de tout cela? Viens, okay. On peut se glisser ici. Allez, go! Go, go, go! Heureusement que les brèches à chaque fois sont suffisamment larges pour que je passe avec mon corps musclé! Si Odin souhaite réellement empêcher le Ragnarok, alors nous sommes d'accord. Ah oui? Alors c'est pourquoi cette lance? Pour te protéger. T'as pas d'autre arme que ça? C'est trop question, toi, frérot. Je vais pas le protéger avec la puissance de l'amour. Qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là? Ils sont morts. Oh, oui. Bien vu. Voilà. Il est où le man? Je l'ai tellement arraché que même moi je suis un peu surpris. Ok, let's go. Ok. Incroyable là. Il se passe strictement rien. Que des petites vagues mais sans trop de danger pour l'instant. Vagabond, j'aime pas les affronter quand ils sont en vie. Arsenal de défunt. Bon. Ok. Là. Ok, là j'ai pris ma part, c'est mérité. Ça va jusqu'ici, pas trop dangereux. Ok. Hop, ferme. Bien joué. Ça a dû faire mal. Ah, ça, je te le fais pas dire. Tiens. Bim. Ça t'a kiffé, ça, ou pas, là, mon petit vagabond? Dis-moi tout. Ok, superbe, ça dégage. Si tu veux vraiment éviter le Ragnarok, alors dis-moi, pourquoi la lance? Je me suis confié. Alors attends, bibiche. Tu parles beaucoup trop. Ok, c'est bon. À ton tour. Ça ne marche pas comme ça. Je suis ton père. Tu évites la question. Bien. Ah. Évidemment. Évidemment. Je devrais pouvoir planter mes flèches dans le bois là. Voilà. Allons-y. Et ben voilà. Bon, je prends le couvert, entre guillemets. Mais enfin, ça suffit amplement. Bon. C'est bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Ok. Quoi d'autre? Ok, ça on prend. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Des grandes plaines comme ça, on dévastées. Approche. Oh là là. Tu me promets de pas le tuer, hein? Je ne fais pas de promesses, mais j'essaierai de ne pas tuer la bête. Oh, on va lui casser la gueule. Quand Kratos y dit ça, c'est que ça part très souvent malheureusement en couille. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti les amis, combat de boss, je suppose. Je suppute. Fireball. Super. Allez, ça dégage. C'est une impasse. Mais il y a une encoche dans le mur. C'est évident. Je ne vois pas trop comment la lance pourrait s'y loger.
c'est bon, j'ai pu comprendre, ok. Alors là, j'ai un problème, parce que je peux aller à droite et tout droit. Donc on va commencer par aller là, déjà. C'est peut-être juste une petite cache, ouais, c'est une petite cache, c'est tout. Encore pour de l'argent, qui plus est ? Oh, mais on a trop d'argent ! On a beaucoup trop d'argent, je sais même pas quoi en faire, les gars. Ça, pour le coup, ils ont pas trouvé le meilleur des équilibres au niveau de l'argent, ou alors j'ai pas tout suivi. J'ai l'impression qu'on a vraiment, vraiment trop d'argent. Ok, ça, on prend. Allez, c'est parti, direction de la bête. Ok. Très bien. Ouais, j'aime pas. J'aime pas, alors que l'autre, c'est à distance, c'est beaucoup mieux. Let's go. En fait, le truc, c'est que la lance est ultra polyvalente. Si vous voulez, les chaînes du chaos, c'est bien de loin et pour les hauteurs. La hache, c'est parfait au cac. J'improvise. Et les lances, au fur et à mesure. C'est bien au cac et... Mais ce n'est pas de garde sur la distance, parles. Mais ça fait beaucoup moins de dégâts. Tu ne peux pas tromper, Odin. Jusque-là, j'y arrive. Je suis sûr. Bien. Et maintenant ? Je vais tâcher de l'apprivoiser. L'apprivoiser ? Oui, j'ai déjà apprivoisé des mots. Oh ! Vache ! Voilà. Ok. Fireball ! Vache. Hop, tiens, par contre, les dragons, les dragons, ça, je cale. Allez, parfait. Okay. Let's go, on continue bien, très très. Ok. Sur un malentendu, en fait. On peut peut-être trouver des soins là-dedans. Que dalle à part l'argent, superbe. D'accord, je vais distraire Garde. Toi, tu gèles ses chaînes avec ta hache pour l'empêcher de fuir. Et tu les fixes à quelque non, chose. C'est trop dangereux. Ça peut marcher. Allons-y. Ça. Formation. Odin t'a-t-il appris à la contrôler ? Non. Nous n'utiliserons pas ce qu'il t'a appris. Nous le ferons à ma manière. Oh ! Mais là, Atreus, t'as déjà déconné, mon ref. C'est comment ? Bah, pas ça. On va arracher un boss qui fait cette taille. Oh bah, il skin. Lui, il voulait juste atterrir. Bon. Superbe. Allez. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu ne l'as pas fait exprès, au moins. Que fais-tu de la confiance? Pardon. Mais je pensais que ça marcherait. Patience. Nous y arriverons. Kratos est bien calme et bien sage, si vous voulez mon avis. Je pense qu'il faut qu'on monte sur cette corniche là-haut. Mais comment ? C'est bon. Oh, je n'y ai même pas pensé. La solution n'est pas toujours apparente. Ok. Au-dessus ! Merde ! Oh 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 oh, je suis un monstre. Okay.
Les flèches peuvent la ralentir. Ok. Désolé si je parle pas beaucoup, mais enfin. Vous pouvez le voir. C'est pas aussi évident que ça en a l'air. En plus, j'ai détesté ça. Je crois que je l'entends plus loin. Cette fois, suivons ma méthode. Et ta méthode, ça veut dire... Exactement ce que j'ai dit. Si on essayait de... Nous avons le pouvoir d'empêcher cette créature de causer du mal. Il nous faut agir. D'accord. Aïe, 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 aïe. C'est donc là, à mon avis, on va devoir lui éclater la gorge. Ok, go. Ça va se mouiller. Région découverte. Trouée silencieuse. Ah! Ah oui! La méthode était quelque peu orthodoxe. Quand même si je lui arrache la gueule, j'ai un petit peu de peine. Okay. On arrive à la moitié, ça sent pas bon. Bien. Allez. Recule. Il a récupéré. Wouh. Ok. Oh là là. Vous deux. On dirait qu'il se prépare à attaquer. Non.
Merde. Wow. De nuque. Ah oui. C'est terminé. Je regrette qu'on ait dû en arriver là. C'est de ma faute s'il a fui. S'il est mort. Parfois, nous n'avons pas le choix. Je sais. Ok. Réunion, quitter Elheim. Les amis, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. A bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.